Hello tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter deux DIY que j'ai trouvé sympa et du coup j'avais envie de vous les montrer. J'espère que ce nouveau genre de vidéo vous plaira sur ma chaîne et on se retrouve tout de suite avec le tuto. Donc pour ce premier DIY, voici le matériel. Il vous faudra un bocal et des feuilles blanches ou colorées, c'est comme vous voulez. Personnellement j'en avais pas de colorées donc j'ai pris des blanches. Pour le réaliser, vous devrez noter des phrases que vous aimez sur des feuilles, donc colorées ou blanches, c'est comme vous voulez. Le but c'est que quand vous vous sentez moins bien ou que vous êtes un peu triste et tout, vous sortez une phrase du bocal et vous avez le sourire. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous pliez vos papiers, vous les mettez dans le bocal. Et voilà, c'est terminé. Pour ce deuxième DIY, voici le matériel. Il vous faudra du cordon, épais ou plus fin, c'est comme vous voulez. Ou alors des cordons colorés. Ensuite, des pinces à linge. Donc pareil, les modèles, les couleurs que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des toutes simples. Il vous faudra des pitons. Donc un piton à la tête ronde et le bout c'est comme une vis. Et pour terminer, il vous faudra des photos, donc personnellement j'en ai pris des polaroïdes. Pour le réaliser, il faudra mettre votre piton contre le mur et taper à coups de marteau. Une fois que ça tient comme ici, il vous suffira de tourner le piton avec votre main. Une fois que le piton est totalement enfoncé, vous allez prendre votre corde et la glisser dans la boucle du piton et y faire un nœud afin que ça tienne. Ensuite, il vous suffira de prendre vos photos et de les accrocher avec vos pinces à linge sur le cordon. Personnellement, j'ai essayé de varier les couleurs. Donc là ce que vous voyez c'est un essai pour vous montrer mais j'en ai fait un dans ma chambre. Donc sur celui-là du coup j'ai pas mis beaucoup de photos. Donc voilà le résultat que ça donne quand c'est terminé. Donc ici je vous montre celle que j'ai fait dans ma chambre, donc c'est mes photos avec mes idoles, et donc voilà, les photos Polaroid je les ai faites moi-même, donc j'ai fait des montages par rapport à celles que je vous ai montrées avant qui sont commandées sur le site Cheers, et non ce n'est pas un partenariat, personnellement je trouve que ça rend super bien. Et voilà, c'est terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt, gros bisous.